Salut tout le monde, c'est Cascole, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox pour cette fois-ci régler un petit problème concernant les jeux IREM. Alors c'est une question qui m'a été posée dans les commentaires sous la vidéo concernant les jeux Psychio. Donc c'est Jérémy qui me demande, et concernant le lag des jeux IREM, une idée. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé et j'ai un petit peu trouvé une solution alternative. J'espère que ça servira d'autres personnes, évidemment. On va tout de suite lancer un jeu IREM pour qu'on se rende bien compte du problème en question. Le problème est surtout sonore. Voilà. Donc je vais lancer R-Type Leo. Donc les jeux IREM, ça concerne surtout donc les jeux R-Type, In the Hunt, Gun Force ou Dragon Breed. Même si Dragon Breed, j'ai pas remarqué vraiment de soucis. J'ai peut-être pas fait gaffe. Voilà, donc je vais commencer par lancer R-Type Leo pour qu'on se rende compte du problème. Alors voilà, on arrive donc sur R-Type Leo. Je vais juste vous laisser écouter le son. Je vais mettre des crédits et je vais lancer une partie. Voilà, donc on l'aura remarqué, le son est quand même relativement dégueulasse. Je vais quand même juste vérifier une chose, histoire de tester les deux jeux, enfin les deux jeux, je vais m'expliquer juste après, sur un même pied d'égalité. Donc je vais aller voir au niveau du shaders, on est juste sur le shaders BSNES, donc le simple lissage. Donc c'est pas ça qui provoque ce problème, voilà. Maintenant, là on est sur... R-Type Leo sur FBA. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relancer le même jeu, mais sur MIME, enfin le même jeu, c'est pas la même ROM, hein, c'est une ROM MIME. Enfin, je me comprends, voilà. On passe tout de suite à R-Type Leo version MIME. Voilà, donc là je viens de lancer la version MIME, je vais vous laisser juste écouter les sons, et on remarquera déjà une différence. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas photo. C'est peut-être... une solution alternative, c'est vrai, mais ça fonctionne. Il se trouve que les jeux IREM, parce que R-Type n'est pas le seul concerné, donc les jeux IREM fonctionnent mieux sur MIME que sur FBA. Je sais qu'on hésite souvent à savoir est-ce qu'il faut garder MIME quand on a FBA ou inversement, parce que la plupart des jeux tournent normalement mieux sur FBA. Je pense par exemple, je prends par exemple les jeux, l'exemple des jeux Psychio qu'on a parlé juste avant. Le problème, on ne sait le régler que sur FBA, donc on est un peu obligé d'avoir les deux. J'avais fait une vidéo qui expliquait comment monter le son dans Mortal Kombat, puisqu'il y a un problème de son dans Mortal Kombat. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai une mauvaise ROM en FBA, mais chez moi, Mortal Kombat, je prends par exemple Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 3, chez moi sur FBA il ne tourne pas. Mais il tourne parfaitement bien sur MIME, donc je crois qu'on est quand même obligé d'avoir MIME et FBA. Enfin, je parle d'FBA LibreTro. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Salut !